chante une chanson absurde, telle elle est. Une chanson absurde, trois minutes. Ah, et si j'allais prendre le bus? Ah putain, une bonne journée. Ah putain, il faut que j'aille à l'hosto. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour, bonjour. Ah, le voilà, il faut pas que je rate l'arrêt. Putain, vite, il faut que j'y arrive. Putain, mais il va vite ce con en plus. L'arrêt est pas si loin. C'est bon, je crois que je le vois. L'arrêt. Ah putain. Bon, c'est du mauvais côté, je m'en fous. Je vais le stopper. Hé, monsieur, bougez plus. Merci, c'est gentil. Hé, restez là. Putain d'enfoiré. C'est quoi ce bus? Ah, c'est bon. Nickel. Votre tronche me dit... Mais... Oh, mais c'est toi. Ah, oh, salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu deviens? Ouais. C'est cool. Moi je suis médecin à l'université, c'est pour ça mes vêtements un peu ben, de médecin. Bien toi. Ça paye mieux, je pense. J'ai oublié de supporter. Ouais. Alors, bon, on va se rendre. On va faire l'activité escorte, hein. Tu vois où c'est? Non. C'est vers la zone jaune du sud. Voilà, il n'y a qu'un seul endroit dans le sud de la map qui est contrôlé par les Ronin. Bon, par contre, j'ai pas l'impression que ça paye super bien ton truc. Enfin, je sais pas, mais il n'y a aucun autre passager à part moi. Ah, c'est pour ça. Ah, putain. C'est normal qu'il y ait des flics et un fourgon qui nous suit. Je sais pas. Ouais, on va dire que oui. Ah, en plus, c'est là où on était l'autre fois aussi, déjà. Bon, moi, je descends. Poussez-vous, poussez-vous. On va escorter des gens. Je veux dire, attends. Ah ah. Ah. Hello, mon ami. What can I do for you? You know the overhead running. C'était quoi ce hello, mon ami? Charity is not a favorite virtue of sex. Perhaps the sex can interest you in some work. Tu sens bien, tu sais, l'Américain qui fait un fake accent français. This is because hypothetical. This is because. Putain, je m'en rappelais même plus que le mec là il était français dans le truc. Ouais, comme Johnny Cash. Les références. J'aime bien pour qu'on m'entende, je bouffe limite presque le métro. Le micro. Bon. Ok, bah moi je conduis alors. Eh si, mon vieux, t'es le plus canon entre nous deux, hein. Et puis les relations lesbiennes, c'est pas mon truc. Donc on va se promener un peu. Je monte la clim? Ouais, je peux baiser. Oh, c'est trop bien. Voilà. C'était rapide, hein. C'était rapide, on a... Ah, il n'y a aucun problème, hein, si c'est comme ça à chaque fois, hein. Ouais, putain. Ah là, mais attends, il y a des ennemis ou... Parce que là, c'est comme ça à chaque fois.
Ah. Encore une meuf. Ah, franchement, j'ai bien fait que ce soit toi, hein, parce que moi, les meufs, ça fait deux. Bonjour. Ah. Ah putain, c'est journaliste et je peux même pas utiliser de flingue, je sais pas. Ah si, je crois. Occupe-toi de lui faire plaisir. Oh putain. Un bordel, c'est un appartement où c'est négligé? Ou j'ai pas compris? Oh putain. Putain, je croyais que ça allait passer. Putain, je suis pas le meilleur pilote. Je crois que ça se voit. Voilà. Poum. Ça va, pas de problème derrière? Ça s'accroche? Ouais, ouais. Mais il est où le bordel, putain, je vois pas sur la map. Putain. Sérieux, il pouvait pas foutre un endroit plus loin? Par contre, si tu veux rester par voiture, ça peut passer super difficile. De quoi? Ouais, c'est vrai, c'est chaud, hein. Chaud patate. Eh, mais attends, je reconnais le coin. On l'a déposé à l'endroit où on cherchait les putes. C'était ce bordel là, merde. Je pense que tu en rappelles. Si j'avais su, on se serait arrêté, on aurait dit bonjour à notre pote, hein, le Mac. Allez, vas-y. Par contre, t'es habillé comme une naze, hein. Moi, j'ai envie de dire, mais... Ouais. Ouh là là. Encore une hippie, là, qui est habillée comme une merde. Ah, putain. Lâche ça, lâche-le. Encore au bordel? Vous en avez pas marre? Non mais... Ah, pourquoi ils demandent à chaque fois des endroits que derrière moi? Ça peut jamais être un endroit qui se trouve devant, comme ça j'ai pas besoin de piler comme un ouf. Je sais pas, je contrôle pas ce que tu dis. Un gros con. Un gros con, Chris, hein, c'est un gros con. Je sais, il traîne souvent avec un petit gothique. Certain Steve. Bon, le gothique, je l'aime pas, il est trop chelou, hein. Entre nous. Je sais pas si tu m'as déjà une fois appelé par mon prénom, Caroline. C'est les aventures de Caroline et Chris, mais y'a que moi qui fais de l'effort au niveau du RP. Quoi, il faut que... Faut que je tue une cible. En plus, le plaisir, c'est dommage qu'elle a la vie de son sauteur. Ouais. Regarde. Voilà. Ah putain, c'est en bas? Oui. Ah merde. Ah putain, je pensais que je pourrais descendre. Je pourrais descendre, je pensais. Ah. Ça a freeze. Ouais, cette fois-ci c'est toi qui fais, parce que moi, tu vois... Chum. Voilà. T'as eu le droit à deux, moi j'en fais quatre. C'est réglo, et puis tu conduis mieux, honnêtement. Donc je suis... Oh, bon, ok, je suis prêt à faire des trucs lesbiennes, même si c'est avec des hippies. Ouais...
c'est chaud, hein. Ça va? Allez, tue quelqu'un! Ah, mais elle est juste à côté! C'est pratique! Bon, bah voilà. T'es doué, hein? Moi, j'aurais pas fait mieux. Attends, je peux te couvrir! Ouais! J'ai pris les mêmes flingues que toi, Chris! Ah, Steve, j'ai pris les mêmes flingues que toi. Enfin, je veux dire Chris. J'ai pris les mêmes flingues que toi. T'es content, mon petit? Mais pourtant, j'ai une envie de lui tirer dessus. Dégage de là, vite! Je fasse dit diving balembabak. J'ai pas compris, elle voulait que je lui fasse bing 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 bing. Ça va bien avec la musique qui passe, en plus c'est du Bob Marley, je crois. Bonjour, escorte. Allez. Allez. Ouais, on continue. Ah, c'est super pour la livraison. Hein? La livraison de voiture, c'est payant? Je crois, enfin, je sais pas. C'était gratuit? Monsieur, c'est toujours payant! Tu t'es cru où, Chris? Oh non! Une grosse! Déjà que je suis pas lesbienne, mais en plus, me taper un saumon. Excusez-moi, mais je veux pas être méchant, hein. Je respecte les tons, mais quand même. Hein? Après, j'ai jamais aimé vraiment les poissons. Alors, je vais continuer à lui faire plaisir. Si je balance une grenade sur le véhicule, ça compte? Non? Bien joué, Steve. Je m'en rappelle que putain, dans le premier Saint-Sour, j'en chiais avec cette activité. Et toi? Ouais, ça a annulé ce que j'étais en train de lui faire, hein, monsieur. Hein. Ton côté casse-cou. Alors, il faut que tu tues la légitime du client et que t'échappes à la cible. Ah, moi, j'ai confondu. Tu veux toujours pas que j'utilise des flingues? Les emplacements sont disséminés à travers Stillwater. Mais qu'est-ce que tu me prends comme raccourci? Je crois que l'activité est foutue. Parce qu'en gros, l'endroit qu'elle veut que tu emmènes est vers les quartiers des appartements près de Chinatown. Hein? Je sais pas si tu vois un peu l'abus. Hein? En gros, elle te demande d'aller à 10 km. Hein.
Je pense que c'est foutu, hein. Honnêtement, là. Je suis pas défaitiste, mais quand même. Ce van de journaliste m'a fait peur, quand même. Ah bah, je te faisais conduire parce que je pensais que tu conduisais mieux que moi, je commence à avoir des sérieux doutes. Bon, j'ai vu qu'à la fois Macadam et aussi l'autre activité qu'on a fait, les deux étaient longues, hein, j'ai vu dans la présente vidéo. Ouais. Je dirais même que trafic de drogue était peut-être un poil plus long que Macadam, dans la durée. Bon, ce qui était bâtard, je trouvais quand même, c'est les vannes qui vont plus vite que ton véhicule. Je sais pas toi. Non, je sais pas toi, mais personnellement, je trouve que les vannes qui vont plus vite que ton véhicule, c'est un peu casse-couille. Hein. Ah, je sais pas toi. Surtout que, putain, c'est des vannes, quoi. J'avoue. Surtout que c'est des vannes, c'est censé pas aller plus vite qu'un truc comme là. Hein. À un moment donné, faut arrêter la déconne. Bon, ça va, c'est toujours un saumon que je dois me taper. J'ai vraiment pas de chance. Faut vraiment avoir en fait du cul niveau des trucs qu'ils te demandent de faire. Hein. Faut que ça soit proche. Si ça commence à être très loin en général, ben c'est bon, c'est foutu, mec. Ça dépend, ouais, mais en général, si c'est loin, tu te prends plein d'images dans le cul en attendant d'y arriver. Hein. Bon, déjà, là, c'est juste à côté, c'est tant mieux. Faut s'amuser un peu au motel. Oh putain, je crois que je vais gerber. C'est toi qui l'as capté ? Ouais. T'as de la chance, toi, tu t'es encore tapé des jolies meufs. Enculé de fils de pute. Sa mère, je vais gerber. Ouais, bah je m'en fous que j'ai ruiné ton truc, hein. Tu devrais déjà être contente que j'ai baisé avec toi. Honnêtement, hein. Pourquoi c'est le dégât? Ah bah j'ai posé ça sur quelque chose qui n'est pas comme je... Peux y arriver. La moto. Voilà. Bien joué. Tu es malin, Chris. Ah oui, t'as eu du bien. Juste pas le chance avant. Oh putain. C'est quoi ces trucs qui apparaissent en face? Moi, ce que j'aime bien, c'est comment le truc que je devais faire s'est arrêté avant même que tu percutes en fait le truc. Hein. Ouais, je vais te punir, hein. je vais t'égorger. Allez, vas-y, on fait ça et puis c'est bon, c'est terminé. Tu le foires là, franchement, je te tue. Oh putain. Bien joué! C'est quoi cette ville qui prend deux ans? C'est une ville de malade, hein, cherche pas. Bon, maintenant je vais aller gerber. En plus, elle avait une bite! Oh là là! Je pense pas que c'est l'avant-dernier. Bah surtout dans le train, t'avais 8 des niveaux. Ah, enfin, mec. Salut, comment tu t'appelles? Mouloud. Je vais t'appeler Jean-Marc. Désolé, hein. J'ai pas de préjugés, mais quand même, Mouloud, c'est un peu naze, hein. Rachid encore, je veux bien, mais Mouloud, non, hein. Mouloud, ça sent vendeur de kebab au Downing Street, hein, franchement. Faut se calmer. Vas-y, esquive. Mais reste debout. C'est pour ça que je vais jamais en virer avec toi.
C'est comme ça que t'esquives. T'as pas bien réussi, non? Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien les véhicules qui sortent de nulle part quand même. Hein. Faut... C'est quoi Angry Johnson? Franchement, vous me donnez des noms. Bravo. Ah, comme ils s'entrechoquent. J'aime bien comment les civils qu'ils tuent, c'est toi qui te les prends dans la gueule. N'est-ce pas? J'avoue, c'est ça. Roule sur le truc. Je pense que là, tu seras pas emmerdé par les mecs. N'est-ce pas? Bon, fou, tu percuteras un tramway. Tu percuteras un tramway. Ça marche. Vas-y, grouille. Mais reste pas sur le truc. Je voudrais reculer. Voilà. Bien joué. On va y arriver. On dirait qu'il hésite, tu sais, genre, est-ce que je prends un Big Mac aujourd'hui ou est-ce que je prends un hamburger? Tu veux que je te coupe? Ok, Steve, enfin Chris, passe-moi le couteau là. Je vais lui couper une oreille. Putain, y'a un mec qui s'est fait renverser en face. Non, on va pas être aussi dégueulasse. C'est toujours des idées perverses. Allez, viens le niveau. Ouais. T'es passé à côté, hein. Parce que t'es fou, hein. Hâte. C'était chelou ça. Et le mec il est tombé tout seul. À moins que ça soit un décalage encore la COP, hein. D'accord. Bah moi il est tombé tout seul, hein. En mode buggé. Ouais, bah, mais c'est des stars les mecs qu'on fait là ou quoi pour que. Hein? N'est-ce pas? Je vois toi. Ça, si ça se trouve, c'est un sénateur là qu'on est en train de se taper. Il a peut-être pas la gueule de l'emploi, mais si ça se trouve, c'est ça. Ah, au moins il demande des trucs simples là, parce que la grosse sardine du niveau 3 elle était chiante. Hein. Enfin, du niveau 4. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est cool le jeu, là, comme ça. C'est tous des tarés de la violence, quoi. Ils doivent être des... C'est... En fait, ça doit être des républicains, quand tu regardes. Non, t'aurais pas dû faire ça, hein. Bonjour, ouais, ouais, Amérique, Amérique, Amérique. Putain, t'as même pas dépassé le premier palier d'image prise, hein. Ouais, putain, tu t'en es bien sorti, hein. Bravo, hein. Bon, toi, tu dégages, hein, le sénateur à la con. Allez! Yeah! Gratuit! Ah. Vous avez complété le. Ouais, c'est le truc. Ce que j'aime bien, c'est que moi j'ai rien débloqué. Toi, t'as débloqué quoi? Moi j'ai débloqué. Livraison de voiture gratuite. Mais c'est parce que j'ai passé, c'est pour ça. Du coup, je me fais enlever. D'accord! Ça marche, bon. Alors ensuite on va aller faire Brotherhood, c'est pas loin. Tu vois? Ouais. On va bientôt en terminer avec la Brotherhood. Et, ouais. Et quoi de mieux pour aller chez la Brotherhood que piquer un véhicule au Son of Samedis? Merci.
Mais putain, c'est quoi ce bordel? Viens, monte. Tranquille, le cadavre comme il est tombé. C'est pas peu dangereux ton véhicule. De quoi? Ton véhicule est pas peu dangereux. Mais non. C'est rien, c'est... Je fais un barbecue dans le moteur. Bon, dégagez. Bon, je crois qu'on y va. Au revoir. Je crois qu'on est pas loin. Ça va, rien de cassé? Attends, mais t'as pas changé... deux secondes, j'ai pas fait trop gaffe à comme t'étais dans le bus. Mais t'as changé de look. Ouais, il s'est rasé un peu, bon, voilà, et la petite queue de cheval. Oh, ça te va bien, pas mal le look. On dirait un mec de la Brotherhood, là, maintenant. Tu me fais voir tes talents de combat? Ouais. Vas-y, teste sur moi. Ouais, c'est la Brotherhood, là. Ouais, bravo. T'es doué. Moi, si je peux, j'essaierai d'avoir les talents des Ronin. N'est-ce pas? Ouais. Je pense que ce serait cool, non? Moi, c'est plus mon style. Après, je sais pas si je montrerai à quoi ressemble le talent des Son of Samdies. Bah, je vais pas prendre ceux du samedi. Tu prendras ceux du samedi? Ok. Tu l'as bien dit, mec, hein? On va leur péter la gueule. Tiens, on a des potes avec nous. On a des potes. Ah, vas-y, on y va. Alors, moi, j'ai un blanc. Alors, on va essayer de le prendre en tenaille, hein, notre cher ami Maero, hein, si possible. Ouais. J'ai réussi à choper plein de véhicules, tu verras, ce sera cool, hein. Pour les prochaines aventures. Monsieur. Ah putain, mais dégage! C'est quoi ce bulldozer? Ouais, je suis trop fort. Allez, vas-y. Comme je t'ai eu. Non, mais lui tire pas dessus. Ah, j'ai eu peur. C'est mon pote qui commence à tirer. Aïe. Continue sans moi. Retire le lieutenant. Ouais. Ça va, Michel? Tranquille. Oh putain, le véhicule vient de péter. Celui où j'étais. Mais dégagez-vous. Eh, ils sont classe quand même, hein, ces pistolets. Je me suis pris un camion en pleine face. Je pouvais rien faire là par contre, hein. Eh, mais ils sont chauds, les mecs. Non? Ils sont chauds, fais gaffe, hein, il y a des camions tueurs hein, là dans le coin. Putain, fais gaffe. Fais gaffe. Ah non, ça c'est nos potes. Qu'est-ce que vous foutez avec des véhicules civils? Regarde ceux qui sont dans ces camions, ils sont chauds, je trouve, personnellement. Ah d'ailleurs, je vais leur piquer, hein. Vas-y, avance. Moi, je vous couvre.
Bon, moi, je veux prendre par le nord. Hein? Ah putain! Le premier qui a tué Maro aura le droit de décorer sa chambre avec la tête. Ouais! Quitte à aborder le style de la Brotherhood, je pense que là ça t'ira bien, hein, le côté un peu brutal. Ouais. Alors j'aime bien, c'est bien, les mecs ils sont productifs. À s'entretuer à la place que je le fasse moi. Bon. C'est la fin de la Brotherhood à Stillwater. Ouais. Moi je suis débarqué dans un bâtiment où ils sont. Voilà, il y a un lieutenant et le second il est juste à côté. Eh mais reviens Michel. Reviens, n'aie pas peur. Tiens, ah je l'ai embroché avec un katana. J'arrive, en renfort. Ouais. Oh bah il y a un pote qui vient. Putain, les camions sont chauds, ils rentrent même dans l'intérieur. À un moment donné, ça va pas les conneries, hein. Trouve un accès. Prenons un chemin jusqu'au toit. Ah putain, il y a beaucoup de monde. Je te prumps. Je suis prumps. Je suis prumps. Je vais le choper ce connard. Je suis prumps. Couvre-moi mes arrières. Je suis prumps. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Alors. Je sais pas où il faut aller là ensuite. Peut-être en face. Ah ok, j'arrive deux secondes. Parce que là je suis essoufflé. Putain, il y a des plants de marijuana, on dirait que les Son of Samedi sont passés par là. Alors, qui c'est qui monte? Tu couvres mes arrières ou... Ouais, vas-y, je t'ouvre. Couvre mes arrières. Et comment ils ont fait nos potes? Comment ils ont fait nos potes pour monter? Comment ils ont fait nos potes pour monter avant nous? Parce que quand tu remarques, à chaque fois qu'on monte d'un étage, il y a nos potes qui sont déjà là. C'est un peu... C'est un peu con. Maïro, sors d'ici que je te bute, enculé! Vas-y! Je te défonce, toi et toute ta famille! What? Oh le mec. Attends, j'ai une idée. Ok, ça lui a presque fait rien, c'est quoi ce mec? Hein? Tu lui fais une requête, il te dit rien. Allez, meurs. Tue les ennemis, moi je tue ma héros. J'avais dit que je tuerais ma héros. Allez viens l'enculé que je te pète la gueule. Salut. Bonjour. Ça va, putain de merde. Mon dieu, Chris, à l'aide.
Reviens! Putain, pourquoi t'es descendu? Aïe! Ah, c'est bon, on te rejoint! Chris, prends le parachute! Ah, putain! Ah, j'ai une j'ai deux côtes de pété. Je suis morte. Ah. Ah. Your little buddy screamed like a bitch when we trust him up. How about you, bitch? Ouais, je vais te péter la gueule, fils de pute. Putain. Ah. Ah putain, il est fort le bâtard. Tiens dans le cou, fils de pute. Si ça, tu meurs pas. Tiens, je t'en fous, je t'en refous 15 coups. Putain, mais il survit le con. Putain, mais toi, je vais te buter. Je te fous. Ah, putain. Tiens, et tiens. Ah, putain de merde. Mais reviens là, espèce de connard. Denis, je vais te buter la gueule. On aurait jamais dû le laisser vivant, ce con. On lui a piqué sa bagnole, mais on aurait pas dû le laisser vivant. J'aurai ma revanche. Ouais, du fric. Carte. Débloquer sulfateuse. Ouh. Ouh. Voilà, c'est cool. Oh, quand je t'avais dit de sauter, mec. Pas comme ça, hein. Mais c'est trop tard, il est parti. Bah, tu pourras te rattraper, c'est toi qui te le feras lors de la mission finale, mec. Hein. Ouais. Ce seront tes cinématiques qui seront canon, c'est-à-dire que c'est toi qui vas le buter. Moi, j'observerai. On vengera Carlos, même si toi, tu t'en bats les couilles un peu de Carlos, mais on vengera. Bon, par contre, c'est moi, il reste encore des cons là-bas. Ah non, c'est des flics, ça va. Ouais, vas-y, un pote avec nous.